C'est cette attitude fait le mauvais choix dans ces dernières années de carrière. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de CS, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos si c'est pour ne pas. Alors, CS, je ne pense pas qu'il a fait de mauvais choix de carrière. La seule petite erreur que je pense qu'il a peut-être fait, c'est que il n'est pas assez resté au Real longtemps, parce que je pense qu'il pouvait encore porter au Real. Son ego l'a un peu tué. Du coup, donc, il est parti à la Juventus. Même à la Juventus, c'était pas un mauvais club. La Juventus n'est pas un mauvais club, les gars. C'est juste que ça n'a pas juste pas marché. Ensuite, il est parti à United. À United, même United n'est pas un mauvais club. Manchester United n'est pas un mauvais club, les gars. Avec les joueurs qu'ils ont, le Rashford et compagnie, ce n'était pas un mauvais club. Et ce n'est pas un mauvais club. Ensuite, il est parti en Arabie Saoudite. Est-ce qu'on peut lui reprocher d'aller en Arabie Saoudite? Parce que CS a tout fait pour rester en Europe, mais aucun club européen ne le voulait. Aucun club de très haut niveau ne le voulait. Du coup, donc, il est obligé de partir en Arabie Saoudite, les gars. Quel club voulait? Il a essayé le Bayern, il a essayé City, il a essayé tous les grands clubs, la personne ne le voulait. Donc, est-ce que c'est la forme de CS? Pour moi, la seule petite faute, à mon avis, qu'il a fait, c'est de ne pas. C'est de ne pas rester au Real un peu plus longtemps. À part ça, je ne vois pas ce qu'il a fait de mauvais. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi par rapport à ça. Donne-moi ton retour en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.